On le caresse. Mais sauf que la conférence elle va commencer maintenant, elle durera environ une heure. Comme ça, si vous avez des questions à poser, c'est bon, vous pouvez y aller après. Bonjour, première animation de lire des livres de l'édition 2012. Animation sur et à propos de Niki de Saint-Phal, animée par Sophie Mater. Je me présente, Sophie Mater, j'ai un parcours d'artiste, je suis plasticienne et j'ai choisi de parler de la femme au cœur de Niki de Saint-Phal en fait. C'est une jeune fille qui au départ souhaitait faire du théâtre, souhaitait faire de la mise en scène. Et avant de se découvrir véritablement une carrière de plasticienne, elle avait différentes expressions qu'elle avait déjà utilisées. Notamment, c'était une très belle femme. Et j'insiste sur cet aspect parce que de toute façon, toute sa vie, elle a joué cette carte. Elle disait même dans des interviews que si elle avait été moche, on n'aurait jamais apporté aucun crédit à son travail. Cette image d'elle quand elle est petite à Central Park est importante puisqu'en fait, j'ai découvert que toute sa vie, elle a essayé de retrouver un lien avec la petite fille. Pardon, avec la petite fille qu'elle avait été. Niki de Saint-Phal, c'est une rebelle, c'est une provocatrice. Que dans les années 60, quand elle commence son travail, il y a très peu de femmes sur la scène artistique. Et elle a vraiment joué des coups toute sa vie auprès d'hommes, nouveaux réalistes entre autres, qui l'ont accueillie. C'était la seule femme d'un groupe de 13 garçons, et pas des tendres, des gros durs, des gros bras, des Césars qui maniaient des voitures dans des casses, Jean Tingly qui est devenu ensuite son mari, et bien d'autres. Et du coup, il y a un paradoxe dans son travail d'une très grande fragilité et à la fois d'une très grande force. Et qu'il ne fallait pas que dans cette libération que la femme avait entrepris dès les années 60, il ne fallait absolument pas oublier cette part de féminité qui était en nous. L'écriture, les mots, la calligraphie de Niki de Saint-Phal. Et ce qui est très fort quand on rentre dans ses livres à elle, qu'elle a choisi d'écrire, qu'elle a choisi d'éditer toute seule dans un premier temps, c'est qu'on a véritablement le sentiment de rentrer dans un journal intime. Il est écrit de sa main, il est calligraphié, il est dessiné, les anecdotes sont les siennes. Et ça change, et ça a changé moi mon regard que j'avais sur elle. Ce n'était pas un critique qui me racontait sa vie ou qui me passait sa vie à travers le filtre de l'écrivain ou du critique, c'était elle-même. Et la boîte magique, pour moi, c'est un petit peu le noyau dur de son travail, puisqu'il a cette boîte magique, elle l'a constituée quand elle était adolescente, quand elle était petite, et elle avait besoin d'avoir un univers à elle, un univers qui échappe complètement à l'autorité parentale, puisqu'elle a grandi dans une famille bourgeoise, très conventionnelle, très puritaine, où il n'y avait pas beaucoup de place à l'expression personnelle, il n'y avait pas beaucoup de place aux sentiments, et surtout à faire parler de soi. Et donc, très vite, elle a eu la nécessité de se créer un univers secret, ou boîte magique, ou boîte à secrets, qu'elle dira plus tard de sa boîte à secrets, qu'elle a gardée très longtemps avec elle, que c'était véritablement sa colonne vertébrale qui l'aura aidée toute sa vie à se recentrer, à se retrouver dans toutes les épreuves qu'elle a endurées. Dans sa boîte magique, elle y mettait ses premiers poèmes, ses premiers dessins,
les collectes de fleurs, parce qu'elle était toujours très sensible à l'environnement et à la nature. Et elle a constitué comme ça, en dehors d'une préoccupation artistique, en dehors de toute projection œuvre, elle s'est constituée comme ça, sa matière première que l'on va retrouver toute sa vie. Elle a toujours eu une envie d'être extrêmement libre de ses faits et gestes, et du coup, elle s'est tout le temps quasiment autofinancée. Toutes ses œuvres sont une petite entreprise qu'elle a montée elle-même avec ses propres moyens. Et comme très vite, elle a quand même été reconnue sur la scène nationale et internationale, même plus internationale avant d'une reconnaissance nationale, elle a tout de suite pris le créneau du marketing et elle a tout de suite décliné tout un tas de produits dérivés autour de son travail qui lui ont permis de financer toujours ses propres projets de façon autonome. Les nanas, incontournables. Puisque finalement, quand elle est mannequin, elle utilise déjà son propre corps, elle est limite à faire des performances elle-même pour faire parler justement... ce corps de femme qui, dans les années 50, quand elle était mannequin, ne lui convenait pas du tout. Le rôle de la femme, que ce soit aux États-Unis ou en France ou ailleurs dans le monde, c'était quelque chose qui vraiment, véritablement la dérangeait. Elle rejetait la position de sa mère, elle rejetait la position de la femme qui était, soi-disant, contraint à rester au foyer, à élever ses enfants, à faire bonne figure. Et tout ça, c'était pour elle... insupportable. D'ailleurs, elle a quitté la maison à 18 ans, elle a fui, elle a fugué avec son premier mari et elle a même quitté les États-Unis pour mettre la famille le plus loin possible et pour pouvoir se réaliser elle-même. Ces nanas sont absolument incroyables, il faut vous représenter ces nanas en 1960. Elles sont quasiment à poil quand même. Elles sont dans des positions complètement immorales, elles sont complètement agitées. Et la femme doit être libre d'avoir des loisirs, doit avoir sa place dans le sport. Et pour elle, c'était vraiment important qu'elle réalise des femmes qui représentent toutes les femmes. Et d'ailleurs, ces nanas, elles auront toutes les couleurs. Et il y aura vraiment une volonté d'universalité qui était délibérée et qu'elle maintiendra toute sa vie. Elle revendique... aussi le fait que l'artiste ne doit pas dépendre d'une galerie, il ne doit pas être vu uniquement dans un musée, il doit être à la portée de tous. Donc forcément, il faut qu'il envahisse l'espace public. Et très longtemps, d'ailleurs, on a eu comme une mauvaise version de son travail, puisqu'on pensait que c'était simplement une féministe avant-gardiste qui voulait abattre le pouvoir des pères pour asseoir les femmes et renverser le monde. Elle voulait rester libre et elle pensait que l'art, véritablement, servirait davantage la cause des femmes et permettrait petit à petit de modifier les rôles de chacun plutôt que la politique. Elle a beaucoup, beaucoup réalisé de nanas noires parce que pour elle aussi, dans son enfance, finalement, dans sa famille très bourgeoise, eh bien, pour elle, c'est plutôt les domestiques qui étaient des employés noirs qui étaient véritablement ses mères, qui l'ont protégée, qui l'ont écoutée, qui l'ont dorlotée, puisqu'elle disait que dans sa famille, il n'y avait pas de place à la tendresse, pas de place à l'écoute des enfants. Les enfants n'avaient pas droit à la parole. Et sur la dernière partie de sa vie, d'ailleurs, elle consacrera toute une collection de personnages qu'elle appellera ses héros noirs, puisqu'elle voudra étendre un peu son engagement à toutes les minorités. Donc, elle voudra rendre hommage aux musiciens noirs, aux basketteurs noirs, et il y aura comme ça toute une collection de personnages au-delà des nanas. Ça, c'est aussi un autoportrait. Dans toujours ce livre Trace. Et une de ses amies lui a suggéré que c'était pas un hasard si ces nanas avaient toujours une jambe en l'air. C'était aussi un clin d'œil à sa jeunesse et à la liberté que finalement les femmes pouvaient avoir quand justement elles avaient comme ça l'occasion d'avoir un loisir comme le patin à glace. Puisqu'au départ, elle ne pensait pas avoir une œuvre aussi autobiographique. Elle-même s'en rend compte très tard, en fait. Et toute son œuvre, c'est finalement l'œuvre de sa vie, quoi.
D'autre part, Niki de Saint-Phalle aimait beaucoup, beaucoup être entouré, être au milieu de mouvements, être au cœur même des événements. Et toutes les œuvres qu'elle a entreprises entourées d'équipes et d'assistants qui l'ont suivie presque toute sa vie dans ses projets. Ce n'était pas du tout une femme qui travaillait seule dans son atelier, à l'abri des regards de tous, quoi. Elle était perpétuellement en communauté et en collectivité. Non, en découvrant son travail, je me rendais compte que ces nanas, elles ont évolué quand même dans le temps, elles se sont modifiées. Et finalement, cette période où les nanas s'assoient, ça correspond à une période où, ça y est, la libération des femmes est en marche. On est dans les années 70, on a un peu moins besoin de s'agiter pour faire valoir toutes nos revendications de remarques. Est-ce que ce ne serait pas aussi ce pourquoi ces nanas, petit à petit, s'agitent moins, ont moins la tête en bas, moins les jambes en l'air, et finalement commencent à se poser. Et proportionnellement, elles s'élargissent. Elles sont de plus en plus calmes, et finalement, elles sont tout aussi rayonnantes et aussi fortes en message, puisqu'elles prennent aussi en taille, en volume. Elles sont de plus en plus imposantes. Parfois, on en perd même la silhouette de départ, comme l'illustration de gauche. Celle de droite a un titre sympa, Nana Santé.